Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les amis, comme vous pouvez certainement l'entendre, j'ai enfin récupéré mon bon micro. Alors pour l'instant, je suis obligé de parler dans une position ultra inconfortable. Mais voilà, dans pas longtemps, ça sera réglé. Toujours est-il que tout le gameplay a été enregistré sur deux mêmes jours qui se suivaient. Donc c'était avec le mauvais micro, donc bah tant pis, vous aurez le mauvais micro pour toutes les vidéos sur Wii U. Et aussi la fin du Let's Play sur Tomb Raider, donc vous en avez pour un petit moment. Mais voilà, donc petit rappel, hein, c'est un petit jeu d'énigmes où on peut changer la couleur de l'arrière-plan. Donc si je mets du bleu, tous les objets bleus vont disparaître et on pourra passer à travers. Et si par exemple je mets des violets, et bah après tous les objets bleus vont réapparaître et tous les objets violets vont être supprimés. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et puis au revoir parce que là vraiment c'est pas pratique de vous parler. Après il était peut-être plus facile, j'en sais rien. Alors on a maintenant carrément des têtes de mort qui tombent. Donc ok, on va avoir un passage différent. Alors par contre comment je monte? C'est une bonne question. Alors ouais, j'ai toutes les couleurs disponibles. J'ai cru qu'il y avait du jaune. Ok. J'étais pas prêt. Ah bah je n'ai absolument pas vu celui-là. Je ne sais pas d'où il est tombé. Alors je suis mort avant d'avoir pu commencer, c'est cool. Coucou. Non mais non, ouais, oh, hein. J'y étais d'abord, hein. C'est pas très très gentil. Non mais je n'arrive même pas à respawn tellement je suis pressé. Hop, on supprime ça. Ensuite c'est du rose. Ensuite c'est du rouge. J'ai l'impression que l'ordre est... Hein? Pardon? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Et là on peut passer. Donc là bah du coup on va attendre qu'il y en ait un. Ouais. Vas-y, viens. Parfait. Là. Alors qu'est-ce qu'on a, une clé ici? Donc on va falloir mettre une caisse de toute évidence. Ok, donc là je peux ramener la caisse là pour avoir la possibilité de monter. Ensuite ici on n'a rien de spécial. Tout ce qu'on a à faire c'est aller amener la caisse bleue au bout pour activer en permanence la plaque de pression. Alors du coup va falloir que je me mette comme ça et comme ça, voilà. Donc là je peux l'amener juste ici en mettant la jaune ici, voilà, tac, comme ça on active en permanence ça. Et il nous reste toujours la caisse orange qui va nous permettre donc... Voilà, ça on peut le glisser juste ici. Allez. Et du coup la caisse violette ne sert pas à grand chose. Ouais, j'ai pas compris à quoi elle servait. Bref. Donc voilà, on... Hop, attends, mais on est dans Mario ou ça se passe comment? Alors pour monter... Oh, j'ai compris comment on va devoir monter. C'est génial comme principe, on va devoir attendre que lui vienne. Voilà, ensuite on passe là, et ensuite on le remet. Voilà, petit ascenseur des familles. Donc on se met ici. Alors toi, ok, donc là je vais devoir apporter la caisse. Voilà, bon, jusque là pas de problème. Donc on a la clé, et maintenant qu'on a la clé, il va falloir en faire descendre un. Bah si, tout simplement. Mais ce jeu, il me retourne la tête. C'est le principe, vous allez me dire, mais ça m'embête. Je me sens débile. Bref, voilà. Bonjour monsieur. Allez, on retombe. Tu veux pas retomber? Bah j'y vais alors, y'a pas de problème. Et on est parti. Alors, ok, donc je vois le délire. Lui s'il tombe, il active la plaque. Donc du coup. Ah mais non! J'y étais presque. Donc, on va appeler notre ascenseur. Je prends la caisse. Alors là, je vois pas la difficulté des niveaux en fait. Là, je fais apparaître. Il tombe, je supprime, comme ça il tombe sur la plaque et je peux passer. Je remets la porte et on y va. Alors, est-ce qu'ils tombent tous? Non. On est sur un système d'ascenseur plutôt sympathique. Donc
lui, on va lui demander de nous tomber dessus. Voilà, donc là il est tombé. Tac. Il nous amène en haut. Donc là on a ça. Lui il tombe, on supprime. Hop, il est tombé. Voilà, on le reconnaît grâce à la petite fumée. Ah bah de là je peux directement aller là. Ah la sortie est là. Bah, le bleu il sert à rien en fait finalement. Suivant. Alors, hop, tac. Ensuite je supprime le jaune. Voilà. Alors voilà si tu pouvais. Attention, ça tombe de partout. Ok. Bon là, encore une fois, j'y vais un peu à l'aveugle. Donc on a dit quand on était au-dessus, il n'y avait pas de problème. Hein. Donc là, je peux le mettre là. J'imagine que le délire, c'est de le faire descendre. Voilà. Ensuite, tac. Ah oui, mais attendez. Ouais. Ok, il faut que j'avance petit à petit. Ça va être très long en fait. On attend que le rouge y tombe. Et là, une fois que c'est bon, je peux le mettre ici parce qu'ils vont pas me toucher. Et une fois qu'ils sont là, je peux le mettre là. Tac. Donc là, c'est encore une fois le rouge qu'il faut que je supprime. Voilà. Et donc là, tac, il peut pas me toucher non plus. Comme ça. Attendez. Hop, voilà. Je vous mets là. Et une fois qu'ils sont tombés, hop, toi tu bouges et tu tombes. Faut réfléchir, hein. Hop, donc là, tac, bon, attention, orange, voilà, donc tac, vous tombez, c'est bon, vous tombez, c'est bon, vous tombez, c'est bon, et là, on supprime le violet, voilà, donc là, je supprime le bleu, le violet, je suis mort, non, à la dernière étape, non. Oh, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Donc là, maintenant qu'on est comme ça, en fait, on peut leur dire eux de tomber. Comme ça, on repasse là. Une fois qu'on est là, bouge le violet. Bouge, bouge, bouge. Voilà, on peut le mettre ici. Waouh, elle était... Yeah, ce niveau était très stressant. Avec la mort qui est avec vous. Oh, à chaque moment. Bon, nouvelle couleur, encore une fois. Avec ce cher monsieur très étrange. Nouvelle couleur. Le bleu. Enfin le bleu foncé. On avait déjà le bleu clair. Du coup il va nous manquer plus que deux couleurs les amis. Doom. Donc il nous manque le vert, le jaune. Ah là là, ce jeu est complètement fou. Oh là. Attendez, il y a un système de ballon. Donc j'imagine que si je supprime le ballon, ça tombe. Et si je remets les ballons, ça ne tombe plus. Pff, ce jeu, mais ce jeu. Alors par contre... Ah oui, mais je peux supprimer qu'une couleur à la fois. D'accord, oui, c'est vrai. J'en viens à redouter des principes de base du jeu. Alors... On a une caisse. Et la clé, elle est... Ah oui, elle est là-bas, je l'avais pas vu. Alors là, je vois pas du tout comment on est censé faire. En fait, il faut le faire avancer, papa. Je supprime ça. Voilà. Tac. Je le mets ici. Ensuite. Ouais, bon, ce niveau est assez simple. Il va juste être un peu embêtant, j'ai envie de vous dire. Parce que là. Voilà. Mais non. Faut aussi prendre lui. Ah oui, mais attendez, je peux les bouger. Hop, on bouge celui-là. Ensuite, celui-ci, on met la caisse là, on va récupérer la clé. Hop, alors si tu pouvais bien l'amasser. Toc, hop, tu laisses en échelle. Hop, hop, et hop, ensuite on a la clé. Il nous reste plus qu'à aller rechercher la caisse là-bas. Voilà, bleu, ensuite rouge, voilà, on prend la caisse. Donc là c'est bleu. Ensuite c'est violet. Mais non c'est ça. Faut que j'active ça là-bas. Donc je prends ça. Voilà. Et ensuite. Youhou. Hop, si je pouvais descendre. Voilà. Ça va. Hello, do you receive my echo? My life is a part.